Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Van Kerstein de Total Coliseum. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur le jeu Jurassic World Evolution pour le quatrième épisode de notre série. Donc la dernière fois je vous avais laissé en ayant terminé les trois étoiles du parc. Donc du coup on a déverrouillé l'île suivante. Alors je vais vous la retrouver, déplacement à savoir l'île d'Isla Muerta. Donc du coup ce que j'avais dit, je ferai un peu de off pour essayer d'avancer un peu dans les génomes et les espèces et les recherches. C'est ce que j'ai fait, donc je vais vous montrer un peu où on en est. Alors rien qu'ici avec la liste des génomes, donc j'ai fait des contrats aussi en plus, donc vous voyez que ma réputation est assez élevée dans les trois divisions. J'ai 4 étoiles et demie, ce qui fait que j'ai aussi déverrouillé le parc, le bac à sable, donc, qui s'appelle, alors j'ai oublié le nom, à chaque fois c'est Nublar ou Sorna. C'est Isla Nublar, le parc bac à sable. Et j'ai déverrouillé d'autres espèces, donc ici. J'ai déverrouillé toutes les espèces disponibles sur cette île. Du ceratosaure, le cryptonzaure, donc c'était un dinosaure qu'il fallait obtenir en terminant, je crois, le contrat de la division science, puis en déverrouillant la recherche. Le dracorex était déjà présent, le dinosaure aussi, le wyongosaurus également, le sinoceratops, qui est l'un des nouveaux dinosaures avec le pack Fallen Kingdom, donc ça c'est une mise à jour gratuite, au passage. Le struciomimus, le tricier que vous connaissez habituellement. Voilà. Du coup, mon parc a un peu grandi depuis, donc j'ai eu des dinosaures morts, des nouvelles espèces aussi. Donc le Struciomimus, j'en ai essayé quelques-uns. Le Wyongosaurus, je lui ai un petit peu skinné en... Alors c'est quoi son skin? Je lui ai mis un skin de... Alors où est-ce qu'il est? Mince, modification génétique, ça veut dire ça. Type arrêt, donc il rend plutôt bien avec sa couleur orangée, je trouve, personnellement. Du fait qu'il vivait du côté de... On va dire de la Chine et de la Mongolie. Donc ça, je trouve que ça rendait plutôt pas mal. Et le Triceratops, lui, j'ai un peu modifié le génome. Donc Aditops et Shadowtops, vous êtes décédés, mais je vous ai modifié. Voici un petit peu le type Alpes, donc avec les rayures sur la collerette aussi. Et les seuls dinosaures que je n'ai pas touché en génome pour le moment, c'est le Struciomus, parce que il est pas cher et bon marché, tout simplement. Et de temps en temps, il faut le donner au Ceratosaure pour les nourrir et augmenter l'infamie de combat. Au passage, les ceratosaures de l'ancienne génération sont décédés. Je les ai un petit peu modifiés niveau agressivité et je leur ai mis le skin type savane. Donc, au passage, je vais renommer un Loubutosaurus avant de partir. Loubuto. Alors, il manque quelque chose. Loubutosaurus. Voilà. Et il nous manque un total d'Edosaurus. Également. Total Tosaurus. Ouais, ça lui aura mieux comme ça. Donc j'ai trois de ces créatures comme ça. Donc s'il y en a un qui veut que je revienne dans le parc et lui mettre un dinosaure Ceratosaurus à son nom, qu'il le dise. Et j'ai créé un troisième enclos un peu plus particulier cette fois avec des Dracorex. Je crois qu'en tout j'en ai mis 8. Donc entre eux ils s'en sortent plutôt bien. Donc là. C'est la population maximale, je n'irai pas plus loin niveau interaction pour éviter qu'ils cassent tout et qu'ils se barrent. On va éviter. Et le parc, bah, connaît une ascensionte amélioration de bonheur. Donc j'ai pu construire un centre de la découverte pour la science, un centre des sciences. Non, un centre des découvertes, pardon, pour la section divertissement, un centre des sciences pour la division science, et le centre de sécurité qui est ici. Parce que j'avais bien avancé. Et du coup, bah, ce parc pour moi est terminé, je n'ai plus ma place ici. Un autre défi nous attend, donc direction le parc d'Isla Muerta. A mon avis, ça va être drôle ce parc. Alors, se rendre sur l'île. Ah là là, qu'est-ce que ça va donner cette prochaine. Au passage, j'ai remis les musiques de la bande-annonce. J'espère, vraiment, je pense pas. Vu que ça a été mis dans le jeu, donc ça veut dire que le Frontier a obtenu les droits. Pour ma part, moi, je comprends comme ça. Donc, voilà l'île. Comme si les créatures préhistoriques ne suffisaient pas. Sur l'île suivante, Isla Muerta, la météo risque souvent de faire des siennes. Tempête, ouragan, ce genre de choses, quoi. De temps en temps. De temps en temps. Oh mon Dieu. Comme vous pouvez ça le voir, commence la météo bien. Sur cette île peut être un peu... capricieuse. La première chose à faire... c'est de réparer les dégâts causés par la tempête. Alors, bon, on va faire ça tout de suite. Demandez à l'équipe de garde de remettre le parc en état. Oh, et n'oubliez pas de fermer les abris d'urgence dès que le calme sera revenu.
Les visiteurs n'ont pas payé leur billet pour passer leur séjour dans un sous-sol. C'est sûr. La tempête a dû être rude. En général, les intempéries ont tendance à rendre les dinosaures plus agressifs. Enfin, si l'on veut bien croire que tout est lié. L'effet papillon, vous connaissez ? Moi, j'y crois. Un tout petit changement peut créer une réaction en chaîne qui, à terme, poussera les dinosaures à semer le chaos. Et les filets à papillons, ça n'arrête pas les dinosaures. Voilà, donc déjà on a réparé les clôtures et une partie de l'infrastructure. Je vais vendre des deux couveuses au passage parce que je vois que l'enclos est fait en deux parties. Je vais faire un gros enclos dans l'herbivore, je vais pas m'embêter. Et je sais pas encore lesquels, peut-être pour commencer quelques Struciominus. Parce que je vous avoue que les fonds au début, quand même, on a 2 millions à peine. C'est pas la joie du coup. Et à mon avis, il va falloir bâtir des stations météo. Et tout développer, système de recherche et compagnie. Voilà, donc là c'est réparé. Alors qu'est-ce qui reste qui cloche? Déjà. Alors on a réparé toutes les couveuses, très bien. Donc je vais tout de suite détruire celle-là. Pour le moment, je n'en ai pas d'intérêt. On va garder évidemment les deux abris panoramiques. Ils auront leur utilité à long terme. Nous avons deux portes ici, c'est très bien. Ou alors, pourquoi pas détruire ces deux portes? Hop. On va remettre une au centre, on va pas se casser la tête là-dessus. Alors, nouvelle porte, oui. On va la mettre là. Voilà. Donc finalement, l'abri, hop. On va fermer cet abri, ouvrir tous les abris. Oh, pardon. Bien. Donc ça, c'est fait. Le parc est restauré, pour le moment. Nous allons devoir bâtir des mangeoires pour herbivores. Donc, la stratégie habituelle, placer les mangeoires près des galeries panoramiques pour que les visiteurs viennent. Je sais pas combien ils sont les gars, il n'y en a pas. Oui, satisfaction insuffisante, tu m'étonnes. Et alors, ce que je vais tout de suite faire pour commencer, je vais faire mes améliorations de couveuse. Donc, une couveuse avec la vitesse d'incubation et double amélioration de la viabilité. Je vais voir s'il y a des contrats disponibles d'entrée de jeu ou si c'est scripté. Donc, je vais demander un contrat à la division scientifique. Ce contrat m'intéresse. Bon, ça c'est faisable, ça va être facile, précision. Alors on va rajouter vitesse de rechargement, précision comme demandé, et hop là on récupère des sous. Vous avez fait de l'excellent travail. Oups, je l'ai remplacé plutôt par planning. Ce qui fait que notre voiture aura 3 tâches au lieu de 2 à pouvoir se mettre. Et je pense que début, bon, on va pas trop se casser la tête. Vu notre situation précaire, il va nous falloir spammer du Struciomimus. Donc c'est les débuts, il faut en faire. On va en mettre la blinde. Je vais voir si un autre contrat va être disponible ou non. Alors, ce qui fait qu'il va falloir aussi, donc, qui dit visiteur insatisfait. Donc là, on a un abri d'urgence, c'est plutôt intéressant. On a une centrale électrique, pardon, je parle un peu vite. Une station de vigilance météo ici, c'est pas mal. Donc, j'ai déjà amélioré ma centrale. Alors, production améliorée. Et je vais mettre coût d'entretien réduit, ça peut toujours être utile. Donc ça fait qu'on a encore 22 d'électricité non utilisée. Qui limitera nos risques. Parfait. Nos Struciomimus sont prêts. On va les laisser débarquer, gambader un peu. Évidemment, je suppose que je n'ai pas d'autres bâtiments. Je vérifie. Je vais regarder un petit peu la carte, comment est disposée l'île. Ouh, c'est une mince bande de terre ici. Très bien. Après, j'ai peut-être une petite stratégie ici. Alors, vu que c'est la zone, logiquement, si je mets juste un enclos là pour les carnivores, pourquoi ne pas mettre juste une barrière ici? Avec un truc panoramique. Ouais, mais est-ce que ça j'aurai la place, c'est la question. Ou alors je mets un peu plus loin et là le carnivore devrait avoir de la place. Mais les visiteurs vont pas être contents si on le voit pas. C'est un peu particulier. Donc là on bourrine les Struciomimus en masse. Alors. Combien on en... Est-ce qu'on regagne un peu de sous ou c'est toujours la dèche donc. La bonne nouvelle, c'est que notre économie vient de remonter tranquillement. Alors, deuxième contrat, on va essayer de rusher le contrat. Alors, j'hésite. J'hésite entre divertissement et sécurité. Je vais faire sécurité, on va voir. Il y a toujours des problèmes à résoudre. Ça, c'est faisable. Alors, étudie attentivement ce contrat. Nous sommes à 33% de couverture par les stations de vigilance météo. Je vais en rajouter immédiatement une deuxième dans ce secteur.
Parce que je pense qu'à mon avis, on va avoir des missions un peu particulières, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Hop. Transfert de Strucium Immuance en masse. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire hein, pour ce parc. Là, pour le moment, on n'a pas les moyens. Et vu que j'ai un petit peu bourriné les dinosaures génétiquement modifiés, à part le Cynoceratops, mais je doute que pour le moment, on puisse faire autre chose. Incubation de dinosaures, bah, on en a combien? 4 ou 6? J'ai pas compté, je vais vérifier avec la carte de gestion. Donc, on en est à 4. Prochain contrat, je saurai tout de suite vers qui me tourner. Voilà, une petite communauté Strucium-Immus, on en a déjà 6. Par contre, je sais pas si vous savez, mais dans les commentaires, si vous pourrez me répondre, j'ai du mal à faire la différence entre la population idéale, donc si c'est que l'espèce, ou le groupe social qui est que l'espèce, parce que ou le groupe social c'est un mélange de plusieurs espèces, ou la population idéale, vous voyez. Je suis un petit peu perdu là-dessus. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé d'autres indications. Alors, donc ça c'est fait, on a récupéré un peu de sous. Donc transfert. On en est à 5 déjà, c'est pas mal. Alors j'ai commencé à m'occuper du bien-être des visiteurs parce que c'est la priorité. Hein. Ah bah. Hop là. Oups. Je pense que 8 à 10 Strucium-Immus pour le début, c'est plutôt intéressant. Là, nos bénéfices remontent un petit peu. Mais c'est pas encore assez. Alors ce que je vais faire déjà, nos visiteurs ont des besoins d'alimentation et d'hydratation. Le restaurant me semble la priorité ici. Je vais surveiller un petit peu notre centrale électrique. Donc, on a encore de la place. Ça consomme 5, donc il nous reste... on est à 14, moins 5, ça fera 9. Et je vais peut-être bâtir une boutique de souvenirs également pas loin. Comme ça, on aura une zone commerciale avec un petit potentiel. Parfait. En plus, ils sont côte à côte. C'est dommage qu'ils n'ont pas pensé à un système de galerie commerciale. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, quand vous mettez 3 bâtiments, restaurant, boutique de souvenirs, boutique de prêt-à-porter, vous pouvez avoir une connexion entre eux, ce qui peut permettre de générer plus de profits et plus de trafic de visiteurs, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, donc on va essayer de faire un autre contrat. On va essayer de faire un peu les 3 contrats d'entrée de jeu. Bon, ça c'est facile, on n'a pas de carnivore, donc ça va être réglé. 5 visiteurs tués par des visiteurs en 2 minutes. Si vous vous plantez, c'est moi qui paierai les pots cassés. Alors, assurez la sécurité de nos visiteurs, ok? Oui, monsieur. Alors, du coup, l'enclos, je pense qu'il mérite une extension. Ah non, je pense. C'est que du Strucium-Immus, donc pour le moment, on s'en fout un peu. C'est pas les gros carnivores, hein, comme autre T-Rex et tout, etc. Voilà. On agrandit un peu l'enclos, comme ça, ils se sentiront un petit peu mieux, les petits. Donc on est combien? 1, 2, 3, on en a 6 je crois. On va rajouter encore 2, je pense que ça devrait être suffisant. Voilà. Donc combien nous reste-t-il d'électricité? 11 non utilisés. Alors on va tout de suite mettre en marche la boutique de souvenirs. Donc on va leur faire vendre des lunettes de vision nocturne. Alors 40$ je pense, ça me semble bien. Parfait. De toute façon, il n'y a encore personne dans le parc. En plus, on a un abri pas loin. Je mettrai un autre abri tout de suite à l'entrée. Et je vais faire un Stegosaurus, pardon. 40$, ça me semble bien. Hein, pour débuter. On va voir un peu la note de satisfaction de nos visiteurs. Voilà. Satisfaction insuffisante, je peux comprendre. Allez, encore 2 Strucium-Immus et ça devrait être bon. Les autruches vont dominer le monde, c'est bien connu, n'est-ce pas? Excellent travail. J'ai demandé tout de suite à notre contrat section sécurité parce que j'ai l'impression que ça baisse vite avec lui. Moins d'une minute avant la prochaine demande, entendu. Tiens, je vais juste voir ce qu'on peut déverrouiller avec leur bonus. Donc, rendement des fouilles, mission remettre. Donc ça va être la mission de l'île. Mission exploitation dangereuse, donc ça va être à mon avis un truc particulier. J'avais mes doutes, mais vous avez assuré. Donc ici on peut avoir 2 espèces,
le Styracosaur, donc c'est un membre de la famille du Triceratops, c'est un cousin, et le Baryonyx, donc pour ceux qui ne connaissent, qui voient Jurassic Park 3, donc c'est un cousin du Spinosaur, tout simplement. Lui, plus mangeur de poisson, donc piscivore, voilà. Bien. Il y a un nouveau contrat. Alors ça c'est facile, on va le faire tout de suite. En revanche, je vais prendre tout de suite un contrat de la division scientifique. J'ai un travail à vous confier. Si ça, là, je peux pas le faire tout de suite. Ça, quoique, si notre Teratops est... Allez, je vais le tenter. Épaisseur de peau, ils m'ont demandé. Donc je vais aller dans la liste des génomes. Et puis on aura une nouvelle espèce. Alors, si quelqu'un veut devenir un ou deux Sinocératops dans le futur, qu'il le dise. Donc, alors bon, la viabilité va monter, va baisser, mais on va gagner 7 points de note sur ce Sinocératops. Ici. Alors, on va regarder ce qui monte le mieux la note. Dureté des griffes, pourquoi pas. Attaque à 70, même si c'est pas un dinosaure hyper agressif non plus. Épaisseur de peau. Eh ben, on va booster l'épaisseur de peau. Magnifique. Et enfin, alors ici, on pourrait gagner de l'espérance de vie. Bon, là, ça l'a montré à fond, mais on gagnerait pas de notes. Alors que lui, oui. Bon, on va faire ça. Et là, donc, c'est encore un truc d'espérance de vie. Alors, on passerait de 58 à 61, 61, 60. On va améliorer un peu l'attaque et la défense. Il a l'air plus agressif que les autres, j'ai l'impression, ce Sinocératops. Qui fait partie de la famille des Ceratopsidae, comme le Tricé, comme je l'avais dit. Alors, il est un peu plus petit, il est plus léger, il est quasiment aussi long que lui à 1 mètre près, mais bon. Donc, c'est parti, on va lancer deux Sinocératops en route. Donc ça, on va prendre un risque niveau budget, mais le jeu peut en valoir la chandelle. En plus, j'ai une photo à faire, donc... Non, c'est pas l'île que je veux aller. Nouveau contrat, donc prochaine demande. Ce que je vais faire, je vais conduire le véhicule. J'espère juste que les Sinocératops ne vont pas nous mettre dans le mal avec la sociabilité entre eux et les Structionus. Ça pourrait être compliqué là. Voilà, très bien. On va essayer de prendre une photo d'un dinosaure qui... Je vais faire klaxonner. Si j'y arrive. C'était quelle touche déjà, je sais même plus. Bon, c'est pas grave. Là, je donne des coups de klaxon pour essayer de les faire courir, ça passe. Ah, ça passe, regardez. Voilà. Sympa cette photo. J'avais l'air sincère parce que j'ai fait de mon mieux. Eh ben, voilà. Un petit coup de klaxon et vous avez un dinosaure qui court. Des doutes, mais je vois maintenant qu'ils étaient infondés. Alors je vais tout de suite développer un contrat avec le divertissement. Ça a bien baissé. Les affaires marchent, mais on 400. Peut toujours les améliorer avec ce contrat par exemple. 400. Et alors je suis à combien de visiteurs actuellement? 352. Donc on n'est pas loin. Donc c'est il nous aurait pas donné l'objectif, sinon je vais vérifier mon électricité toujours. 11 points d'électricité encore disponibles. Je pense qu'on va développer la boutique de prêt-à-porter. Est-ce que ça va caser? Oui, ça rentre. Ah, là j'ai ma zone commerciale, ça peut être cool. Ah, il y a une voiture qui arrive, mince. Si tu pouvais te barrer la Jeep, ça serait sympa. Mais du coup, je dois faire peut-être un détour pour plus tard. Alors. Ok, la boutique de prêt-à-porter est née. Donc ce que je vais faire, je vais communiquer les routes ici. Et on va voir un peu ce que vaut le Sinocératops. Donc là, je l'ai un petit peu amélioré. Bon, tant pis. Alors, transférons ce dinosaure. Ce qui va pas aider non plus, c'est le fait que bah, avec le climat de l'île, c'est compliqué. Salut mon gros, bienvenue à la maison. J'espère que tu vas te plaire.
Il est quand même beau, hein. Très beau travail sur ce contrat. Ce n'est pas passé inaperçu. Je vais prendre une petite capture d'écran parce que mon projet de panorama va avoir besoin de toutes les espèces du jeu, mais s'il continue de rajouter je ne sais plus combien, bah ça va être compliqué. Il a une note de combien? Waouh, 61, donc grâce aux modifications, donc de base il serait à 42. C'est quand même une belle bête, hein. Et je vais sortir le deuxième aussi. Donc Isla Muerta comporte deux nouveaux dinosaures. Donc, si jamais quelqu'un veut être un Sinoceratops, n'hésitez pas. J'ai tout de suite préparé la boutique de prêt-à-porter. Donc on va mettre les combinaisons. On va mettre le double, donc pour pas vendre à perte. Je pense que ça me semble très bien. Excellent. Ce Sinoceratops devrait être intéressant. Ouais. Ouh, par contre, on perd des... J'ai l'impression que c'est plus compliqué à gérer ici, l'équilibre. Donc, je vais tout de suite reprendre une mission de divertissement, excusez-moi. Est-ce que ça va être facile? Ce contrat fera des merveilles pour notre compte en banque. Bon, bah, on va faire ça. Alors. Bon, plus de Struciomimus. On en aura 10. Je pense que ça sera... J'irai pas plus loin. Ça va, les Sinoceratops supportent bien la population, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, ils sont bien modélisés, quoi. Donc, ils valent plus que nos Triceratops, j'ai l'impression, au niveau note. Je vais vérifier ça. Alors, Triceratops, 54. Ouais, il y a 7 points d'écart entre les deux. Et là, en plus, on a fait deux missions de la division de divertissement. Ah bah. Hop, ça c'est fait. On transfère. Du coup, je veux juste vérifier combien il nous reste d'électricité. Il nous reste 8. Qu'est-ce qu'on devrait faire d'autre immédiatement? Je pense qu'on va booster la sécurité. Alors, il nous reste 8. Ah non, on pourra pas. On pourra pas parce qu'on n'avons pas assez d'électricité, tout simplement. Je suggère de bâtir une nouvelle centrale électrique. Et on va la bâtir à côté de la première. Essayer de les relayer entre elles pour que le courant puisse se diffuser à travers le parc. Voilà. Est-ce que je ferai un pylône électrique? Ouais, ça passe. Nickel. Il ne manque plus qu'un chemin pour relayer la centrale au reste du réseau routier. Et ça devrait être nickel. Waouh. En tout cas, je préfère gérer plusieurs parcs sur plusieurs îles différentes parce que ça donne plus de défis et chacune a ses forces et faiblesses. Et c'est un peu un défi de stratégie aussi. Comment réussir à arriver à ses fins? Donc là, je pense qu'il y a une belle zone pour faire des enclos de carnivores, par exemple. De nouvelles espèces, dont je ne dirai pas le nom. Et je ne vais pas spoiler. Même si certains se doutent, parce qu'ils ont déjà vu la suite. Alors, niveau population, lui, il est content, oui. Donc, diversité limitée. Oui, bah j'ai que deux espèces en même temps. Alors là, est-ce qu'on prendrait un risque et on construirait tout de suite l'hôtel? Mais la question est où mettre l'hôtel, vous voyez? On pourrait le mettre là. De toute façon, il ne gênerait personne, donc je vais le rapprocher au maximum pour le connecter au réseau routier. On va prendre ce risque, il nous reste combien? 700 000, on se fait 107 000, c'est plutôt intéressant. Je vais améliorer un contrat de division scientifique. Oh, trop facile. Coût d'entretien réduit, bah ce que je vais faire, ça va être tout simple. Je vais le retirer et je vais le remettre. Comme ça, il n'y a pas de petit profit. Alors j'ai fait quoi ici? J'ai fait productivité et coût d'entretien. Donc je vais faire productivité. Tenez, voici une récompense. C'est pour vous féliciter de votre travail exceptionnel sur Isla Muerta. Et protection contre les coupures, ça peut toujours être utile. Comme ça, les deux centrales seront bien reliées.
Et là, on voit que le parc va commencer à prendre son envol. Donc, on n'avait pas cette capacité. Bah, maintenant, c'est fini. Je note ce contrat comme terminé. Excellent travail. Contrat de division... sécurité, excusez-moi. Par contre, il y a des espèces que je ne vais pas mettre dans ce parc. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce seront... Alors, où est-ce qu'il est? Le Dracorex, parce qu'il est insociable, tout simplement. Malheureusement, il n'y aura pas moyen d'essayer d'évoluer ça. Le Cryptonzor, c'est pareil. Niveau sociabilité, c'est assez compliqué. En revanche, les Montosaur, c'est autre chose. Et je pense que j'aurai pas le temps de vous faire un contrat sécurité en plus. Je pense que là, on a plutôt une bonne épisode. Donc, le parc est reparti de poubelle sur Isla Muerta. Ceci est la fin de l'épisode 4. Donc, j'espère qu'il vous plaira, même s'il paraît peut-être un peu plus court. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Donc, il faudra construire un centre d'expédition, un centre des fossiles, accompagné d'unités de confinement et un centre de recherche. Salut à toutes et à tous, les amis. C'était Kaiser von Kerstein de Total Coliseum. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures, les amis. Au revoir.